Jean Santerre, certainement un roi mal aimé. Je pense qu'il y a à la fois une question de personnalité, qui n'est pas simplement une projection des historiens. C'est quelqu'un qui a peut-être peu de charisme, qui, dès l'époque, auprès de ses contemporains, suscite un certain nombre de réserves. Bon, sans qu'on sache véritablement quelle a pu être sa personnalité. Il a certainement souffert de la comparaison avec son père, avec l'ensemble de ses frères, pas seulement Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion, en plus, a l'aura du croisé, il est allé en croisade, donc Richard Cœur de Lion n'est pas toujours recommandable, mais quelles que soient ses actions, il finit par rencontrer l'approbation, ce qui n'est pas le cas de Jean. Donc je pense qu'il y a une question de personnalité, il y a aussi un certain nombre d'erreurs qu'il commet, tout simplement, et puis il y a les circonstances de son accession au trône, qui, à mon avis, sont décisives, et c'est ça qui rend son règne faible. Alors je pense que c'est un règne qui est caractérisé par, on peut penser, trois grands problèmes. Alors le premier, c'est la question du patrimoine plantagenet, donc ces immenses territoires qui en France sont tenus du roi de France et que Jean Santerre perd en grande partie à la suite de la confiscation opérée par Philippe Auguste. Le deuxième grand problème de son règne, ce sont ses relations avec l'Église, avec la papauté, parce qu'il commet la maladresse de ne pas traiter avec le pape Innocent III quand celui-ci lui impose l'élection de l'archevêque Étienne Langton à Canterbury. Et le conflit s'envenime, traîne en longueur. Le pape finit par jeter l'interdit sur le royaume d'Angleterre. Et Jean Santerre, pour résoudre cette crise, décide, alors ce que certains historiens interprètent comme une réussite, mais je pense que c'est plutôt une faiblesse et c'est comme ça que ça a été perçu à l'époque, il décide de remettre l'Angleterre en fief à la papauté en 1213. Et puis le troisième grand problème du règne, enfin le troisième fait marquant, ce sont ses relations avec les barons qui sont désastreuses, hein, c'est-à-dire qu'il a un cercle de fidèles, mais un cercle relativement étroit, et les barons se conjuguent leurs efforts contre lui, se rebellent pour des motifs à la fois personnels, des motifs fiscaux également. Alors le gouvernement des Plantagenets est un gouvernement très dur au point de vue fiscal. C'est pas seulement le cas de Jean Santerre, c'est également le cas de ses frères et de son père. Et les barons se refusent en fait de servir en France, de le soutenir dans ses efforts dans le Poitou, et finissent par rassembler, par composer un mouvement contre lui, et c'est ce mouvement qui amène à la rédaction d'un texte que les barons soumettent en juin 1215 à Jean Santerre, et c'est ce texte qu'on va appeler plus tard la Grande Charte, qui est le texte majeur des libertés anglaises. Et alors, de manière assez paradoxale, c'est un roi impopulaire, un mauvais roi, et qui a laissé une trace considérable dans les institutions anglaises, dans la mémoire anglaise, et une trace très positive. Donc c'est à la fois un roi sans doute cruel, assez tyrannique. En même temps, on comprend que quand il est aux abois, il prend des décisions qui sont assez dures. Et puis en même temps, c'est un roi dont le legs a été relativement positif. Donc voilà, on peut pas. Et même les contemporains ont du mal à le juger. Hein. Certains, beaucoup le condamnent, mais certains sont prêts à réhabiliter une partie de son action.